faire, essayer d'arranger le passé. D'après mon frère, il faudrait faire une grosse fusée, puis s'en aller, s'enfuir bout à bout de ce qui nous ressemble, pour finir la route ensemble. Me semble que l'ombre de notre qu'un jour, un élève se lève dans mon cours pour m'interroger sur mon passé. Monsieur Milano, j'ai une question. J'ai vu des vidéos de vos chansons sur YouTube. Ouais, vous étiez pas mal cute, mais comment ça se fait qu'en vrai? Vous êtes pas mal plus là. Retenez, Michael! Hey! J'ai appris à mes dépens que les lendemains de veille étaient tough. Et puis qu'apparemment, que le soleil, c'est un petit show-off qui fait que les matins se meurent. Oh, lorsque vient de passer 11 heures, à cause de lui, il fait beau. Puis à soir, j'ai un show dans un bar. Je vais pouvoir faire mes chansons, je paye en bière de toute façon. Youpi! Je trouve un bras pour oublier sur le dos de mon employeur mes sentiments refoulés comme la poutine pis la peur. Et puis les filles sont jolies pis ma carte de crédit est complètement loadée à force d'essayer de tout de vouloir les cruiser. Mais comment faire pour t'oublier? Si la longueur de la sienne était au-dessus de la moyenne, moi je l'ai censuré. Ou que vous me lancez toute la peinture. J'ai fait un gros feu, toujours séduit à l'idée de penser à TV. Oui, oui. Hey, pour que l'espace d'un instant, on puisse penser. Oh, comme on est important. Émile Milano, bonjour. Bonjour, Émilie. Est-ce que c'est une première expérience dans une école pour toi en tant que musicien? Non, j'ai eu la chance de faire des conférences un peu sur mon parcours et puis expliquer aux gens que c'est important de suivre ses rêves. Je pense que c'est bon de le rappeler aux jeunes parce que moi, j'ai été éduqué en ayant un plan A, mais mes parents puis mes proches m'ont toujours dit « aie un plan B » parce que la musique, c'est pas toujours évident, puis c'est le fun d'avoir un peu un repère, là. Donc, je suis là pour quand même leur rappeler que malgré tout, il faut donner une chance au premier choix. Ça fait quoi de t'adresser à des jeunes qui sont comme des éponges, finalement, qui absorbent tout ce qui est bon pour eux, là? Oui. Bien, j'ai eu cette discussion-là hier avec Paul Piché, Vincent Vallière, Ingrid Saint-Pierre et puis Alexandre Béliard de Légende d'un peuple. On faisait un show avec Paul Piché pour 40 printemps. Puis on a eu cette discussion-là sur le fait que, des fois, on donne des conférences, puis les jeunes de 16 et plus, parfois, ils connaissent même pas Gilles Vigneault. Donc, c'est important. Puis je trouve que c'est pas trop contraignant aussi de juste venir donner un peu de musique francophone. Puis je compare ça à donner un hockey à Sidney Crosby. Hein, t'sais. Du moment où on lui montre c'est quoi, ben après ça, il peut faire son propre cheminement personnel, puis peut-être son style de musique francophone va se préciser, puis il va savoir qu'est-ce qu'il aime, puis il va savoir que ce style-là existe en français surtout. T'as fait quoi ce matin avec les jeunes exactement, Émile? On a fait une ou deux chansons par classe, là, dépendamment de leur énergie, hein, parce que des fois, il y avait des présentations orales, des fois, on parlait de peine de mort dans les classes, fait que fallait s'adapter. Puis... Mais je pense que ça a été un beau 10 sur 10, là, parce que les jeunes, comme tu le dis, c'est des éponges. Avec mes chansons, ça leur met un peu le sourire aux lèvres. Puis moi, je me rappelle, quand je voyais du monde intervenir dans nos classes, c'était toujours « yes, petite pause de travail ». Donc, ouais, je pense que ça a été un succès. Cette opération, le bonheur que j'appelle. Je disais que j'étais le passeur du bonheur, puis je pense qu'ils ont embarqué. Fait que je les remercie. Quand le festif t'a approché en te proposant le festif à l'école avec toi en ouverture, t'as dit oui tout de suite? Ah oui, évidemment, parce que moi, ben, t'sais, j'ai un petit frère, je suis bon avec les jeunes, puis je trouve que c'est important justement de venir exposer notre culture, et puis aussi ça fait pas de mal à ma carrière d'aller chercher un public aussi jeune qu'il soit. Là. Les âges, c'est pas important. L'important, c'est justement de se faire voir, puis je trouve que c'est donnant-donnant. Je leur offre justement une fenêtre sur un répertoire francophone, puis moi, ça m'offre un public, fait que c'est donnant-donnant. Ouais.
Comment tu t'es senti de revenir dans une école secondaire? Est-ce que ça rappelait des bons ou encore des moins bons souvenirs? Moi, je n'ai que des bons souvenirs au secondaire. Moi, ma force, c'était vraiment d'assumer ma personnalité. Puis je pense que ça m'a aidé tout au long de ma carrière. Je suis resté moi-même, puis je leur souhaite de rester eux-mêmes. Tu es ici à Baie-Saint-Paul, évidemment, dans le cadre, en plus, du cabaret festif de La Relève, dont tu es porte-parole. Grand soir de première demain. T'es excité de ça? Tellement. Le cabaret festif, ça a été mes premiers alliés. Tu sais, c'est le seul concours à ce jour-là. Je sais pas si je vais en faire d'autres, que j'ai remporté. Tu sais, puis ça, c'est important pour moi de sentir une aussi belle région aussi derrière moi. Là, c'est toujours agréable. Est-ce que ça a propulsé ta carrière, le cabaret, à l'époque où tu l'as gagné? Vraiment, j'ai eu un beau prix en argent, puis aussi une place dans la programmation du festif estival. Tu sais, puis je me souviendrai toujours de ce show-là. Je faisais la première partie de bande de ska, puis c'était une belle expérience de voir des messieurs qui étaient venus entendre du ska tomber sur un jeune homme de 17 ans avec sa musique keb. Puis je me rappellerai toujours du fait que ça a été un succès malgré tout. Ouais. Apparition dans la revue de fin d'année d'Infoman, pour toi? C'est malade, ça? Ben, moi, j'ai René Dufort, c'est une de mes idoles. Tu sais, je trouve qu'il y a une belle folie politique. Puis son personnage, tu sais, une belle preuve de continuité. Puis, ouais, ça a été cool de voir autant de big shots, si vous me permettez l'expression, chanter sur ma chanson Intervenir, tu sais, de Trudeau à Joly, toutes des gens que j'adore. Fait que c'était Couillard aussi, là. C'était le fun, puis c'est cool parce que ça me permet justement, encore une fois, d'avoir accès à de la visibilité, puis il faut pas cracher là-dessus quand on commence à faire ce métier-là. On te connaît pour ton classique « J'en ai plein mon casque oui. », que tout le monde connaît justement à l'approche de ce qui s'en vient en fin de semaine. Comment va ton casque justement par rapport à ça? Ah ben c'est formidable, tu sais, j'allais chanter beaucoup aujourd'hui, puis c'est le fun de voir à quel point les jeunes connaissent les paroles, puis je me trouve très chanceux d'être celui qui justement sert de pont à, je vais pas trop me répéter là, mais un répertoire plus québécois, puis c'est sûr que je vais la chanter au cabaret festif. Quand j'ai fait le concours, je l'avais pas encore écrit par contre, mais là je vais me venger demain soir, c'est sûr. Merci beaucoup Émile. Merci Émilie, bonne journée. Y'a jamais personne qui veut passer premier quand la professeure donne l'ordre de commencer les présentations orales. Pour vrai, moi je trouve ça normal parce que c'est stressant faire semblant qu'on maîtrise un sujet puis d'en parler quand même longtemps devant plein de monde qu'on connaît. À ce moment-là, c'est difficile de ne pas avoir l'air d'un débile. Mais malgré le stress de l'homme qui nous est tous universel, malgré la paresse qui nous pogne, quand vient le temps de faire la vaisselle, on aura toujours envie et on sera toujours séduit à l'idée de penser à TV. Pour que l'espace d'un instant, on puisse penser. Parti de la Perse et puis j'ai fui la peste. Mais je n'ai pas d'amis en Mésopotamie car j'ai quitté la guerre et pour venger mon père j'ai trahi ma patrie. Fait que ça fait à peine 3 semaines que je t'attends la tête pleine de leurs maudits olympiques puis de leur niaiserie philosophique. Yeah! C'est Platon comprend rien. Les Grecs c'était des mecs consanguins. Mais à la fin, leurs idées seront chemin de liberté. Yeah! Prisonnier dans le donjon. Ah! Et je marche sur le boulevard de la vie. Destination vers la mort, nous étions partis. Et puis Dieu, dans son char, s'arrête sur le bord. Il me dit, « Hey, mon fils, veux-tu que je te fasse un lift? » Et j'ai dit, « Non, ça va, je vais marcher. » Et j'ai dit, « Non, ça va, je vais marcher. Hey! » Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin.
Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis au nord et que je ne suis plus très loin. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu tous mes amis aussi, et je n'ai plus aucune compagnie. Alors monte sur mon Harley, puis accroche-toi, on va triper. Puis j'ai dit, c'est bien beau tout ça, le moteur. Puis t'as-tu des idées noires, quelque chose du genre? Puis là, elle dit, ben non, ça n'a pas rapport. C'est juste que moi, j'ai côtoyé la mort. Et si je t'invite sur mon bicycle, c'est pour que ta route aille un peu plus vite. On va flyer 100 000 à l'heure, brûler notre gaz, traite dans le bonheur. On va rouler sans arrêter. Mais moi, de lui répondre, très embêté. Non, ça va. C'est avec moi jusqu'à la fin, ou bien au moins. En attendant le refrain. Plus loin, entendre le refrain. Ouais. On est parti. J'en ai plein mon jazz. Le kibay, le tamal, le kitsbo, le bourreil qui s'écroule. J'en ai plein mon jazz. De la guerre. Qu'un artiste se doit de dénoncer quand il va chercher son trophée. Oh merci Saint-Aubin, je suis content, l'artiste qui suit le plus de toute la province. Merci. J'en ai plein mon casque. Monsieur, pouvez-vous me dire, sans trop être furieux, si j'ai le droit de partir de votre cours des coconomies qui me remplit le coco d'ennui? Car je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le PIB. Je suis sûr qu'il pourrait vous parler. J'en ai plein mon casque de la guerre, comme toutes les autres affaires, comme les mains de la terre, plein de morts dans le mal. Ok, tout le monde! J'en ai plein. Clément Turgeon pour, en fait, le Cabaret Festif. Salut! Salut, ça va bien? Oui, merci. Présentement, on vient de faire la tournée dans l'école avec notre porte-parole vedette, en fait. Oui. Comment toi, tu te sens à quelques heures de commencer la relève du Cabaret Festif? Bien, on se sent, on est bien énervé, en fait. C'est ça, le Festif à l'école, à la base, c'était aussi une façon de faire découvrir le cabaret. Puis finalement, au fil du temps, on a réalisé qu'il y avait l'intérêt d'autres artistes. Donc, c'est devenu un projet à part entière. La tournée vient d'être faite, puis c'était magique, vraiment. Là, les élèves embarquaient, Émile débarquait dans les classes pour faire ses chansons. Donc, on est vraiment, vraiment satisfait à date. Pour approcher une programmation de la sorte qu'on parle ici, est-ce que, bon, évidemment, c'est sûr qu'on pense tout de suite au festif. Ici, on parle de la relève Cabaret Festif. Est-ce que la préparation pour la programmation se ressemble ou si le travail, ou il y a moins de travail, ou comment est-ce qu'on voit ça? Bien, le cabaret, dans le fond, vu que c'est un volet concours, c'est des inscriptions, donc on reçoit les candidatures des artistes, puis à partir de là, il y a un comité de sélection des professionnels un peu de l'industrie qui vont, à travers la centaine d'inscriptions, en sélectionner 12. Donc, contrairement au festif où, par exemple, moi, je fais la sélection complète, là, c'est un comité de sélection qui va faire la sélection finale. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et là, de voir, en fait, notre porte-parole vedette avec devant ses fans qui criaient, même, on a pu voir des filles qui criaient. Toi, par rapport à ça, est-ce que j'imagine que ça apporte un bon sentiment? C'est comme on a fait un bon choix? Oui, tout à fait. Puis je pense qu'on a choisi le meilleur artiste pour ça, qui était très à l'aise dans la classe. Donc, c'était vraiment le fun de voir l'interaction. Puis, il y en a qui ne le connaissaient pas, qui l'ont découvert là. Puis, c'est le but aussi du festival, c'est de faire découvrir la musique et la chanson québécoise au plus de gens possible, dont les jeunes d'ici. Et là, je veux rappeler, pour le cabaret, on parle de 3 soirs, oui. Plus un grand soir pour la finale. Donc, ça commence. Oui, c'est 27 janvier, 17 février, 10 mars et 31 mars. Pour le festif à l'école, il en reste 2, le 16 mars, Karim Ouellet, et le 6 avril, ça va être à la Claire Ensemble qui vont débarquer ici. Est-ce que si on peut peut-être des fois inciter des jeunes à devenir musiciens, qui sait, ou peut-être à avoir de la relève pour les années à venir? Bien, totalement, c'est l'objectif. Même Émile Bilodeau, il va aussi faire un atelier avec les jeunes de musique. Donc, c'est le but, je pense, c'est le début de quelque chose. On veut motiver les jeunes à faire de la musique, à écouter de la musique et tout ça, à venir voir des spectacles. Donc, je pense que c'est une étincelle pour la suite. Exactement. Clément Turgeon, merci beaucoup. Et on sait que ça commence en fin de semaine. Oui. Le roulement est fait, la roue est partie. Donc, on souhaite le plus beau des succès pour les mois à venir. Voilà, merci beaucoup. Merci. 3, 4, 5, 1! Ouais!
Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans vos classes. Merci beaucoup d'être ici si nombreux. Alors, voici une chanson d'entrée de jeu qui s'appelle « Le passé à la télé ». Y'a jamais personne qui veut passer premier quand la professeure donne l'ordre de commencer les présentations orales. Pour vrai, moi je trouve ça normal parce que c'est stressant faire semblant qu'on maîtrise un sujet puis d'en parler quand même longtemps devant plein de monde qu'on connaît. À ce moment-là, c'est difficile de ne pas avoir l'air d'un débile. Mais malgré le stress de l'homme qui nous est tous universel, malgré la paresse qui nous pogne, quand vient le temps de faire la vaisselle, on aura toujours envie et on sera toujours séduit à l'idée de passer à TV. Oh yes. Pour que l'espace d'un instant, on puisse penser encore une fois. Faut croire que tout le monde veut avoir son 15 minutes de gloire, son 15 minutes pour voir qu'est-ce que ça ferait si on avait la preuve visuelle qu'on existait. Regarde-moi, j'existe. Avant de disparaître pour toujours, j'aimerais ça qu'on puisse me connaître un jour. Parce que c'est pas toujours évident de faire des jobbing en attendant. En plus, pour moi, le gars le plus sexe, puis j'écris juste des chansons à texte. Fait que c'est pas moi qui fais danser les foules, c'est pas moi qui va signer ses boules. Mais pour remédier à la situation, faudrait que je puisse passer à la télévision. Ah, ah, et les ah, 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 ah. Toujours eu peur de devenir connu, mais à cette heure, faut dire que tout le monde m'a vu passer à TV sans même sourire. Ils sont tous garochés sous moi pour me dire que l'image, oh, oh, l'image, c'est une chose importante. Ça c'est vrai, oh mais quel dommage que la seule chose que je dégage soit une odeur malodorante. Parce que dans mes shows j'ai chaud, j'suis une fucking fontaine d'eau. J'suis comme un mirage dans un désert, quand y'a trop d'éclairage, moi j'pogne les nerfs. Mais à quoi ça sert qu'il y ait autant de spots pis tout, pis de vouloir autant de codes d'écoute. Et de bosser à TV. Pour que l'espace d'un instant on puisse penser encore, il est important.